Charles, c'est trop compliqué, je peux pas partir maintenant. C'est la fin du confinement, et comme prévu, de toute façon, hein, j'étais déjà allé partir. Ouais. Ça a été un plaisir de traîner avec toi. C'est vrai qu'en vrai, ouais, c'était cool. Ouais. Mais bon, avec tes TikTok de merde là. Oui, bon, ça va, j'ai pas fait de dégâts non plus. Juste gagner des abonnés. Oui, ça va, t'as rien pété. Bon, bah, je te dis à plus. Voilà. Sur ce, au revoir, Master. C'était vraiment un bon gars quand même. On sort le 11 mai! Ouais! Alors moi, direct, je vais aller voir des potes sur Périgueux, des potes sur Bergerac, des potes qui sont à Brive, des potes... Moi, on m'a dit qu'après le 11 mai, il va y avoir une deuxième vague. Bah tu m'étonnes, parce que tout le monde va sortir en même temps, donc tout le monde va se refiler le corona, comme ça. Bon, ça, on s'en bat les couilles. Le plus important, qu'est-ce que c'est? Les cours. Les cours, ça va devenir Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. C'est quoi cette histoire? Ma prof, récemment, elle m'a dit... Alors, il y aura deux groupes, vous aurez aussi cours une semaine sur deux. Donc, le groupe A, ça sera telle semaine. Le groupe B, ça sera la semaine d'après. À quel moment? Réouverture en juin? C'est les vacances, bordel de merde! Déjà, moi, j'adore les stages, mais bon, c'est un truc de ouf. Et bien sûr, ça s'est annulé. On parie combien que le 11, même plutôt le 10 mai, le soir, tout le monde va être là? Ah, ça y est, on est le 10 mai, demain on va pouvoir sortir. Sauf que Macron, juste avant de parler à 20h, qu'est-ce qu'il va faire? Et après il va nous dire qu'on va pas pouvoir sortir. Oh. Mes chers compatriotes, c'est ici, aujourd'hui, le 10 mai, le soir, à 20h, que je vous annonce que vous allez bien sortir le 11 mai. Mais attends, il fait quoi? Pourquoi il a mis un stop de Uno? En fait, je déconne. Non, mais c'est pas possible! C'est pas possible, non! Ah oui, il y a un truc marrant aussi. Mes profs m'ont dit que si on vient pas au mois de juin, on sera même compté absent. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon, Monsieur Lacoste est toujours en retard. Ça fait déjà 3 semaines et demie. Hein. Bon. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ah, Monsieur Lacoste? Ah, enfin j'ai pu réussir à vous joindre. Mais est-ce que au moins vous saviez qu'il y avait cours? Oui, effectivement, je savais, oui. Rien à foutre. On bat les couilles. Bonjour à tous les élèves. Alors aujourd'hui, vous êtes combien? 4? Ok, comme il y a 4 jours, ça tombe bien. Donc j'ai corrigé les copies, hein. Tiens, Dimitri, hein, voilà. Voilà, va chercher. Ensuite, Caroline. Ah, tu es si loin. Ah, je dois passer à côté de Clément. Le contact! Le contact! Ah, bonjour les enfants, comment allez-vous? Je peux pas, tu vois, je peux pas! Je peux Oh, ça va, hein, quand même, hein, calmez-vous. Voilà. Je vais essayer d'appeler les autres, hein, ne bougez pas.
Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît de faire du bruit, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez, s'il vous plaît, j'ai pas d'autorité. Qu'est-ce que tout le monde attend le 11 mai? Ha! Me sortir! Dans nos têtes, on imagine des trucs le 11 mai, donc moi je me disais, ouais, grosse soirée, on va voir les potes et tout, mais ça va pas du tout se passer comme ça! Tu veux me lire? Si tu as le corona, prends tes affaires, rentre chez toi. Là, j'ai de quoi me péter le bide. Le truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ferme les magasins jusqu'à juin-juillet. Par contre, oh, les cours, oh oui, on les rouvre début juin. Réaction, quand j'ai su que l'ouverture c'était début juin, ça a été tout simple. Personnellement, j'ai pas pris d'amende à 135 euros. Qu'est-ce que vous comprenez pas, donc faut pas rester collé, pas rester comme ça. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Mais vraiment, restez chez vous. Au moment où je tourne cette vidéo, on est à quelques jours du déconfinement, donc je parle bien du 11 mai. Et n'hésitez pas à suivre la page de TikTok du fameux Deadpool, on est bientôt au 1K. Donc au moment où je vous parle, hein, bien sûr, on n'est pas encore au 1K. N'hésitez pas donc à liker, à partager et à vous abonner. Et bendo!